assis un petit chien, un épagneul papillon de Jun Maekawa. Donc fait à partir d'une feuille de papier camillée en 15 cm. Et je refais des coups avec le même papier. Alors pour avoir les oreilles et la truffe colorées, on part avec la couleur sur le dessus. Et on va plier et déplier les deux diagonales. Ensuite, par rapport à une diagonale, on va replier la bisectrice. Afin d'avoir un point de repère pour pouvoir replier comme ceci. Donc, on déplie. Et on remarque le pli ici. Ensuite, on va replier les deux pointes, droite et gauche. Et évidemment, celle du bas. Comme pour une enveloppe. Ensuite, on tourne d'un quart de tour et on redéplie la partie du haut et la partie du bas. Ensuite, nous allons les amener. Alors, ce point va aller sur ce trait vertical et le pli va partir en fait de l'extrémité de la ligne horizontale qu'il y a ici. Et on pliera simplement au milieu. Ce sera pour l'équivalent d'une oreille de lapin. Donc, on plie sur mon point de repère ici, jusqu'à la partie centrale. Donc, normalement, cette pointe arrive sur la sectrice ici. On fait pareil de l'autre côté. Ceci. Maintenant, plie montagne sur la ligne horizontale du milieu et on plie donc l'équivalent d'un pli en oreille de lapin. Donc on replie les deux tout à l'heure et on revient ensuite sur la droite en formant le pli vertical ici, comme ceci. On retourne. Alors, ces deux parties sont verrouillées. On va les sortir. Une. Et deux. Et on les remet. Ça permet donc de les avoir sortis. Comme ceci. Ensuite, on retourne évidemment sur ce triangle. Vous en doutez, on va faire un pli aplati. Donc, je marque d'abord la bisectrice. J'ouvre et j'aplatis. Comme ceci. Ensuite, je vais relever cette partie le plus haut possible, donc autrement dit sur la ligne horizontale ici, et je vais ramener ceci vers le bas. Alors la pointe est censée toucher la pointe ici et on plie suivant les extrémités les plus larges.
Voilà. On va ensuite faire une oreille de lapin sur cette partie marron. Prépliage d'un côté, prépliage de l'autre. Comme ceci. Et on fait l'oreille de lapin habituelle. Voilà. Ensuite, nous allons replier la totalité du modèle suivant la ligne verticale en laissant ressortir les pattes arrière. Ensuite, une fois que nous avons ceci, nous avons donc plusieurs épaisseurs, le volet de devant et de derrière. On va les rabattre suivant les plis inversés intérieurs. Donc, prépliage et on rabat à l'intérieur. On fait pareil de l'autre côté. Prépliage et on rabat à l'intérieur. Voilà, la petite pointe qui dépasse en fait, elle est rattachée à une longueur un peu plus grande. On va donc l'attraper et soulever délicatement pour pouvoir faire ressortir cette partie et l'aplatir. Comme ceci. Ensuite, pour cette partie, nous allons en fait prendre la totalité des épaisseurs et à travers la totalité on va plier sur la bisectrice comme ceci. On déplie et on va faire l'équivalent d'un pli inversé extérieur, donc en rabattant une épaisseur d'un côté, on retourne une épaisseur de l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite, on va refermer ceci. Voilà. Alors ensuite, nous allons abattre une épaisseur sur la bisectrice. Donc là, ça passe à l'intérieur de la queue pour pouvoir replier. Donc attention à ne pas abîmer la queue pendant ce pli. On fait évidemment pareil de l'autre côté. Comme ceci. On revient là. Alors maintenant, pour les pattes avant, nous allons replier. Alors pas jusqu'à la totalité. Là, on voit qu'il y a déjà un pli qui est. On va replier un peu avant pour laisser un petit espace à partir justement de la ligne de démarcation. Un petit espace, ça permet que la pâte dépasse légèrement. On fait évidemment pareil de l'autre côté, donc là on se sert de la pâte qu'on a pliée derrière pour pouvoir avoir un repère comme ceci. Voilà. Maintenant nous allons faire un pli inversé sur la totalité, pli inversé intérieur sur la totalité de la surface marron. Donc je marque le pli dans un premier
temps. Voilà. Et on ouvre et on inverse. Comme ceci. Alors, maintenant, de chaque côté, donc à l'avant et à l'arrière, cette pointe, nous allons rabattre sur la pointe ici, puis la rouvrir. Hein. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la bisectrice entre ce côté et ce côté. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. On retourne. Alors maintenant, nous allons faire un pli valet sur cette partie verticale en laissant sortir en fait le volet qui était libre, qui était caché à l'intérieur. Ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on laisse sortir le volet à l'intérieur et on rebat sur la pointe arrière. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons rouvrir cette partie. Pareil ici. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu à la tête. Donc pour cela, on ouvre. Alors, on voit qu'ici, il y a la bisectrice entre l'horizontale et ce côté. On va ramener donc cette pointe sur l'intersection entre le trait vertical et la bisectrice, donc entre ce pli. Et ce pli, donc très exactement ici. Bien. Ensuite, sur le crampe horizontal, enfin pli balayé, afin de pouvoir tout inverser, et on va aller cacher tout ça à l'intérieur, derrière. Voilà. On peut maintenant refermer. Ensuite, nous avons un pli ici, de l'autre côté que nous avons fait tout à l'heure. On va le refaire à nouveau. Donc son pli vertical qui existe déjà, ça permet de bien renforcer la partie inférieure. Pareil derrière. Voilà. Ensuite, entre ce côté et le pli qu'on vient de faire, on va plier la bisectrice afin de faire un pli inversé intérieur. Et là, on ouvre une épaisseur et on inverse le pli. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc la bisectrice. En prépliage, puis on ouvre une épaisseur et on inverse tout. Comme ceci. Voilà.
Alors maintenant, il va falloir abattre tout ça à l'horizontale. Donc, pour ceci, on va céder du pli vertical qui a été fait tout à l'heure. On ouvre. Et on va rabattre ici. Donc je reprends. On ouvre. On ouvre un peu plus s'il y a besoin. Je l'avais pas ouvert. Voilà. Comme ceci. Je remonte de l'autre côté. Donc, on ouvre. On va replier suivant le trait vertical qu'on avait renforcé tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, en laissant bien tout ouvert, on va rabattre. Comme ceci. Alors maintenant, pour que les oreilles soient intégralement marron, on va faire un pli enroulé pour pouvoir mettre la couleur marron de partout. Donc un wrap, la version de couleur. Et de l'autre évidemment. On met juste un peu mieux le bas comme ceci. Voilà, pareil ici, donc on retourne. Voilà, qui nous permet d'avoir les oreilles intégralement en couleur. Et maintenant, nous allons plier l'oreille suivant cette ligne-là. On voit la différence entre le marron et le blanc. Donc on va replier suivant cette ligne qui est derrière. Voilà. On a donc un tout petit décalage, c'est normal. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Allez, on va maintenant former le reste de la tête. Donc, on va faire un pli inversé intérieur sur la partie blanche. Donc, je ferai le prépliage. On ouvre et on inverse comme d'habitude. Voilà. Alors ensuite, maintenant, on peut faire un prépliage d'un côté, de l'autre, le plus haut possible que ça descend à chaque fois. Puisqu'on va encore faire un pli inversé intérieur pour faire revenir la partie blanche. Donc là, on ouvre. Et on inverse sur l'horizontale. Sur l'horizontale. Voilà. On va faire apparaître un peu plus de blanc, donc pour cela, on va plier sur la diagonale ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, un pli inversé extérieur pour la truffe. Donc, on rouvre, on récupère une petite partie et on referme. Voilà. Pour les oreilles, il n'y a maintenant plus qu'à ouvrir.
Donc après, on peut modeler un petit peu selon la forme que l'on souhaite. Le petit chien est terminé.